Vous avez été témoin de quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, du jamais vu en Guinée. Il y en a qui penseront que c'est de la comédie ou du populisme, mais c'est de loin de là. Très loin de là, je vous jure. Ce colonel, il n'arrête pas de nous surprendre. C'est un phénomène, ce monsieur. Un vrai phénomène. Vous êtes déjà 126 heures. Là, vous partagez. Oui, c'est urgent, je ne peux pas attendre demain. Je ne peux pas attendre demain. Je ne sais pas qui est-ce qui m'appelle là. Vous partagez, hein, vous partagez la vidéo. Oui, alors? Waalaikum salam, je vous rappelle là, mais vous m'avez appelé avec un numéro privé là. Je ne vois pas votre numéro. Ah. Awana, Makono, il dit qu'il l'a dans. Il dit qu'il l'a dans 20 minutes ou 25 minutes, idiot. Itina sala suma na imako juu kalala. Ok, sino idis awankili ibatan roller man na sini ko ha. Ok, na. Ok, na problème tu qui dit aussi d'inchallah wa ok inchallah ben signora Anna. Les amis, vous voyez comment je suis débordé. Là, c'est une maman qui vient de m'appeler. Oh, elle peut même pas parler. Elle est dans Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je parle avec Monsieur Kanté. C'est grâce à vous, hein, vous qui partagez la vidéo, et grâce au travail que nous abattons. Les amis, nous avons été témoins de quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya. Quelque chose d'inédite, du jamais vu en République de Guinée. Du jamais, jamais, jamais vu. Alors, vous savez, je vous dis toujours que tout dépend de l'interprétation, de la compréhension et de l'analyse de la situation. C'est très, très important. C'est très, très important de pouvoir. Vous savez, on dit que on peut regarder sans voir. On peut voir sans comprendre. On peut comprendre sans savoir interpréter. Et on peut interpréter sans se faire comprendre. C'est très important. Je répète, on peut voir, on peut regarder sans voir. On peut voir sans comprendre. On peut comprendre sans savoir interpréter. Et on peut interpréter sans savoir se faire comprendre. Alors, quand on a la qualité de regarder et de comprendre, qu'on a la qualité de comprendre et de savoir interpréter, qu'on a la qualité de savoir interpréter et de savoir se faire comprendre, on devient un homme qui s'approche de la perfection à 90%. C'est très important. J'en viens parce que le colonel Mamadi Doumbouya, c'est un être phénoménal. C'est un être exceptionnel. C'est un être doué d'une intelligence démesurée. Il sort ça encore. Il sort ça où? De quel tiroir? Ce monsieur-là, c'est un don. C'est un don. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse la République de Guinée. Que Dieu guide ses pas. Vous l'avez vu aujourd'hui avec ce renouveau, avec cette chose
très très intelligent, très très réfléchi. Regardez. Il prend l'initiative d'envoyer le gouvernement à la retraite à Fouré-Carrière. Il prend l'initiative d'habiller le gouvernement en tenue militaire. Ça envoie un message très fort pour ceux qui comprennent et pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Il y a des gens qui vont traiter ça de populisme, ils n'ont pas compris. Il y a des gens qui vont traiter ça de la comédie, ils n'ont pas compris. Il y a des gens qui vont traiter ça de l'humiliation, ils n'ont pas compris. Il y a des gens qui vont dire, oh, ils n'avaient pas besoin de faire tout ça, ils n'avaient même pas besoin de montrer au peuple de Guinée, ils pouvaient faire ça autrement. Ces gens-là n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Je vais vous décortiquer ce que ça veut dire, ce que le colonel a fait, ce que ça veut dire. Et lui-même, dans le discours, dans son adresse au Premier ministre et à son gouvernement, si vous avez bien entendu, ce qu'il a dit, ça résume tout. Il dit au Premier ministre, nous avons pris les armes pour défendre cette nation. Et nous sommes sûrs que vous pouvez défendre cette nation avec des idées. Voyez-vous? Avec des idées. C'est ce qui est très important dans l'affaire. Mesdames et messieurs, vous avez vu le fait qu'il ait habillé ces gens en tenue militaire, c'est le message de la cohésion, c'est le message de l'union, c'est le message de nous sommes tous au même pied d'égalité. Non? En tenue militaire, il n'y a pas à dire la veste que vous portez, ça coûte cher, la montre que vous portez, ça coûte cher, la chaussure que vous portez, ça coûte cher. Non. Là, nous sommes tous en tenue militaire, nous sommes égaux. Nous sommes égaux là. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message, encore, c'est toujours dans l'harmonie. Nous portons une même couleur. La tenue militaire, vous avez vu, nous portons une même couleur. Nous avons une seule et unique vocation. C'est lui de tirer la Guinée vers le haut. Ça, c'est un deuxième message. Le troisième message, qui est un message aussi très important, ou s'il faut dire même le message le plus important, c'est l'esprit de discipline. Nous savons que l'armée, c'est la discipline. Nous savons que l'armée, c'est l'organisation. Nous savons que l'armée, c'est l'ordre. Alors, l'esprit de discipline, s'il a pris le courage, s'il a pris la peine d'habiller ces gens-là en tenue militaire, il faut que le peuple comprenne que ce monsieur a besoin de la discipline dans l'action gouvernementale, la cohésion dans l'action. La cohésion dans l'action gouvernementale. C'est ce qu'il veut passer comme message. Dans tout travail, s'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement. Et le message a été très clair. Ce qu'il a dit, le message est clair. Il dit, nous avons pris les armes pour défendre cette nation. Vous pouvez défendre cette nation avec des idées. Une seule idée. Vous devez vous servir d'une seule idée. La Guinée, l'intérêt général de la nation. Alors, ce n'est pas de la comédie, ce qu'il a fait. Et il envoie tous ces gens au même niveau. Les équipements qu'ils ont dans le sac, dans les sacs à dos, les sacs militaires qu'ils portent là, ben, ce sont des vêtements pour les quelques jours qu'ils vont passer là. Ça veut dire, vous partez de zéro. On vous ramène au niveau zéro, au même niveau que nous. D'accord? Vous partez au niveau zéro. Et puis, on reprend tout à zéro. C'est le message qui est là. Il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas d'orgueil,
Et je pense que ça va marquer ces ministres-là. Ils vont comprendre ce que ça veut dire, la tenue militaire, la discipline, l'harmonie, la cohésion. Ça va leur marquer. Mais ceux qui ne savent pas interpréter vont penser que c'est de la comédie, vont se dire que non, oh non, c'est du populisme, oh, ils n'avaient pas besoin de faire tout ceci-là, ils ne devraient même pas les faire sortir à la télé, c'est de l'humiliation, c'est pas ça. Vous savez, si il avait imité par exemple un autre chef militaire de la sous-région ou de l'Afrique, on se serait dit, oh non, l'acte est joli. On se serait dit, oh non, il a fait du Johnny Rawlins. Non, il a fait de Thomas Sankara. Ah non, c'est bien. Là, ce qu'il a fait là, c'est du colonel Mamadi Doumbouya, tout simplement. Quelqu'un d'autre va l'imiter un jour dans l'Afrique, on va dire non, il a fait du colonel Mamadi Doumbouya. Il faut être capable de créer. Il faut avoir un esprit créatif, un esprit inventif. C'est l'esprit de la cohésion. C'est tout simplement que ça. Et ce monsieur, nous devons le suivre. Nous devons le suivre dans ce qu'il fait. Vous pensez que c'est il a fait ça au hasard? Non, c'est réfléchi avant de le faire. Surtout, on met un accent sur la discipline. La discipline dans l'action gouvernementale, elle est capitale. Donc, ceux qui vont chercher à vous distraire, ceux qui vont chercher à vous distraire, ok, à vous dire que c'est de la comédie, oh non, c'est, il n'avait pas droit de faire cela, il a humilié. Oh non, c'est ceci, cela. Écoutez, je vous dis tout simplement de suivre ce monsieur. De l'écouter, de l'encourager et de le soutenir. Je pense qu'avec lui, on pourra faire de très grandes choses. On a la chance d'avoir un monsieur qui réfléchit comme ça. C'est très important. On a la chance d'avoir un monsieur qui innove. Parce que je vois beaucoup de polémiques là-dessus déjà. Je dis non, ça c'est pas clair ça. Il faut que j'apporte ok, de la lumière là-dessus pour que les gens comprennent pourquoi il a fait ok, toute cette organisation. Et vous avez vu le Premier ministre. Je jure que ce Premier ministre-là, c'est un vrai fils de la Révolution. Et oui, je pense qu'il a fait ses services militaires. Il a fait la formation militaire. Moi, ça m'a plu de les voir comme ça. Je vous jure. C'est l'esprit de la cohésion qui est là. Et je pense que dans la sous-région, on va beaucoup apprécier cela. Ça veut dire tout simplement que c'est un gouvernement militaire qui a besoin de la discipline. Rien que de la discipline. Et quand il dit, vous devez défendre la nation avec des idées, c'est important. Et le colonel Mamadi Doumbouya ne cesse de répéter aux Guinéens qu'ils ont pris des armes pour défendre la Guinée. Il ne faut pas que les Guinéens oublient cela. Quand il dit nous avons pris des armes, ce n'est pas la première fois qu'il dit. Hein. Il a dit lors de son interview, il a dit aussi lors de son interview avec Alain Foucault, il a maintes fois dit cela, que nous avons pris des armes pour défendre ce pays-là. Donc, les civils, vous qui êtes nommé aujourd'hui ministre, tant, 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 vous devez venir avec des idées. C'est ce qu'il vous recommande. La discipline, le respect de l'hiérarchie dans le gouvernement. C'est très important. Alors, c'est loin de la comédie, c'est loin de l'humiliation, c'est loin du populisme. Il faut les encourager. Il faut soutenir ces gens-là. Et on doit sortir de cette souffrance-là. Je pense que tous les Guinéens doivent se mettre aujourd'hui derrière ce gouvernement et derrière le colonel Mamadi Doumbouya. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent l'échec total de ce gouvernement. Et ils veulent passer par tous les moyens possibles. Saboter, dénigrer, décourager les gens à soutenir. Donc, nous qui savons que ce qui se fait, c'est du bon,
il faut que nous continuions à soutenir. Sinon, nous allons mordre les doigts. Nous allons mordre les doigts. Vous qui me suivez, moi qui parle en longueur de journée, je pense qu'on ne fait pas un travail de faux. C'est la sensibilisation. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une bataille médiatique. Il ne faut jamais ignorer aujourd'hui la force des réseaux sociaux. Surtout nous, les influenceurs. Il ne faut pas ignorer cela. Nous avons aujourd'hui une force terrible sur les gouvernements africains, européens et américains ou asiatiques. Tout se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut que vous compreniez cela. Au fur et à mesure que vous partagez les émissions, au fur et à mesure que nous parlons, nous dénonçons des actes inacceptables, c'est au fur et à mesure que ces gens-là, ils se ressaisissent. Et au fur et à mesure que nous les conseillons, nous les apportons des solutions, eux aussi, ça leur aide. C'est pourquoi nous vous demandons chaque fois de partager les émissions. Évidemment. Je ne dis pas que tout ce que nous disons, que ça soit du bon, mais parmi ce que nous disons, il y a aussi du bon. Voilà. Moi, par exemple, il y a des gens qui m'appellent. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là ne m'avaient jamais appelé. Ça veut dire tout simplement que le travail que nous faisons, c'est du bon travail. Et c'est grâce à vous, vous qui partagez mes vidéos. Vous qui pensez que ce que nous sommes en train de faire, c'est du bon. Et vous savez, je remercie aussi ces nombreuses personnes qui m'envoient souvent des vidéos pour dire « Monsieur Kanté, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut parler comme ça, ne parle pas comme ça ». J'aime beaucoup cela parce que je ne suis pas parfait. J'aime aussi ceux qui m'envoient ceux qui m'écrivent des messages pour me critiquer. J'aime cela parce qu'à travers les critiques, je m'améliore. Je ne suis pas parfait, je suis comme vous. Donc, soutenons le colonel Mamadi Doumbouya, soutenons le gouvernement Mohamed Beyavougui. L'action, elle est belle, d'accord? Le fait de les habiller en tenue militaire, le fait de les envoyer à la retraite là pour qu'ils puissent se concerter entre eux, pour qu'il y ait de l'esprit de cohésion, de l'harmonie entre eux, c'est très bon, c'est très bien. On accepte, on admire et on l'accompagne. Donc, arrêtez de regarder ces débiles légers blogueurs du RPG arc-en-ciel qui ne cessent de dénigrer parce que pour eux, tout ce que les autres font, c'est du mauvais. Ce que eux ils font, c'est ce qui est bien. Voilà. Pour eux, c'est ça quoi. Tout ce que le colonel fait là, parce qu'il a délogé Alpha Condé, tout ce que le colonel fait, c'est du faux. Ce que eux ils font, c'est du bien. Ce que M. Kanté fait, c'est du faux. Ça n'a pas d'importance. Ce que M. Kanté fait, c'est du mensonge. Ce que eux ils disent, c'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est le bon chemin. Ce temps-là est révolu. Les réseaux sociaux ne sont l'apanage de personne. Ne sont l'apanage de personne. Personne n'a le monopole de la parole. Et au fur et à mesure que ces gens-là vont combattre le colonel, c'est au fur et à mesure que moi je ferai des lives pour sensibiliser la population. Parce que dans tout cela, c'est la population qui est victime. Aujourd'hui, la population, c'est sur les réseaux sociaux, pour écouter tout le monde. Et parfois, il y a des gens qui sont mélangés dans leur tête. Quand ils écoutent la vérité quelque part, ils vont écouter d'autres personnes qui incitent à la haine. Et du coup, ils sont mélangés dans la tête. Donc, moi je vous dis tout simplement que écouter ces genres de propos ou ces genres de personnes, c'est de vous faire du mal à vous-même. Écoutez ce qui est essentiel, des gens qui disent l'essentiel, des gens qui parlent de la réalité. Vous qui vivez en Guinée, vous êtes conscients de la réalité guinéenne. Et quand nous qui sommes conscients de cette réalité, nous parlons de cette réalité, nous apportons des solutions, vous réfléchissez, vous comprenez et vous avez la faculté de faire la distinction entre ce que nous nous disons, ce qui est sur la réalité et ce que les autres disent. Vous faites votre résumé et puis voilà, vous avez quelque chose de potable. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je n'étais pas venu devant vous pour durer. On va continuer ce travail parce que depuis l'action du colonel envers le gouvernement, depuis que j'ai fini mon premier live là maintenant, j'ai vu beaucoup sur la toile des gens qui parlent n'importe comment. Je dis non, il faut que je parle. Essaye d'apporter de la lumière là-dessus, quoi. Donc, l'action du colonel, l'action, elle est belle. D'accord? On l'apprécie, nous, le peuple conscient, on l'apprécie et on le supporte et on l'encourage. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée,
bon début de week-end et à demain, inshallah. Je vous aime, vous partagez au maximum la vidéo. Bye bye. Et surtout, restez serein, restez droit dans vos bottes, restez constant. Voilà.